Bonjour mes chers camarades, donc on va parler un peu de la manif d'hier. C'est un vrai carnage. On s'est fait matraquer de tous les côtés. J'ai plusieurs personnes qui ont été blessées, dont moi j'ai mal au dos aujourd'hui. Et j'en ai même perdu mes clés. Donc s'il y a des gilets jaunes qui ont trouvé des clés, ou des gens qui étaient à la manif qui ont trouvé des clés par terre hier, un trousseau avec une clé jaune un peu tordue, et il y avait 5-6 clés avec des clés rouges. Je vous donnerai les numéros de clés par la suite, en dessous, parce que j'ai mon collègue qui a la même. En plus, c'est aussi la clé de chez moi, mais la clé de mon travail. Parce que j'ai un logement de fonction, malheureusement pour moi. Mais je suis malheureux d'avoir perdu ces clés, je suis très très emmerdé. Et voilà, je voudrais dire que beaucoup de nos camarades ont été frappés, mais très très fort. Gazés de près et frappés. Surtout très 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 bien frappés, parce que la brave avait des ordres de Darmanin de taper très très fort. Moi, comme vous savez, je suis quand même assez pacifique. Je suis pas quelqu'un qui vient pour casser ni violenter les manifestations. Je suis là pour soutenir le plus petit, donc le peuple, celui qui crève la dalle et celui qui est là. J'ai toujours été dans cette mise bien avant les gilets jaunes, parce que je manifestais déjà. J'ai été syndicaliste constructif, donc dans la construction, pensez bien que c'est pas l'attaque. C'est bon, il y en a qui le font, et je laisse choix à tout le monde de faire comme il en a envie, même si je trouve que des fois ça peut être regrettable. Voilà, mes chers camarades, j'espère que vous allez bien pour la plupart. Moi, j'ai vachement mal au dos, hein, j'ai pris un sacré coup et. J'ai mal aussi à la jambe, j'ai pris un sacré coup, j'en ai même perdu mes clés. Bon, j'espère, mes chers camarades, qu'aujourd'hui, dimanche, vous avez pensé à tous les gens qui sont enfermés. Il y en a qui ont été à un rassemblement ce matin pour les camarades qui ont été mis en garde à vue et qui vont sûrement passer en procès pour certains. Bon, ceux qui viennent avec des armes, hein, il faut bien qu'ils s'attendent que s'ils se font contrôler, ça va mal se passer. Mais ceux qui viennent pacifiquement comme moi et qui se sont fait emmener, force et honneur à eux, hein. Voilà. Force et honneur à tous ceux qui sont emmerdés. Sur ce dimanche, bon appétit à vous. Et puis gardez espoir. Si l'État en arrive là, c'est que on est en train de leur faire peur. Donc si on est en train de leur faire peur, c'est qu'on est en train de gagner, mes chers camarades. Allez, force et honneur à vous. Bye.